Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la courbe à 45 degrés et la donne Project Server qui s'y rapporte, que l'on appelle MTA. Je suis Jérôme Prunis, je suis consultant fonctionnel chez TeamSquare. À ce titre, j'accompagne nos clients sur les problématiques de gestion de projet, aussi bien en termes de méthodologie de gestion de projet que des outils qui s'y rapportent. Au sommaire de ce webinaire, comme à son habitude, nous ferons une rapide présentation de la société TeamSquare, puis nous rentrerons dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la courbe à 45 degrés. Je présenterai la courbe à 45 degrés sur trois thématiques. Tout d'abord, je vous présenterai l'intérêt de cette courbe dans le pilotage de son projet. Puis, je vous expliquerai comment construire la courbe à 45 degrés et enfin, comment l'analyser. Une fois que l'on aura bien compris comment fonctionne cet outil de pilotage, je vous propose une démonstration de la donne dans Microsoft Project Server, qui est donc la donne de la courbe à 45 degrés intégrée au client riche de Microsoft Project Server. Enfin, à l'issue du webinaire, je vous propose une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire à poser vos questions. Vous pouvez le faire par écrit à l'aide de l'interface. Pour vous présenter TeamSquare. TeamSquare, c'est un cœur de métier, le management de projet et le portefeuille de projet. À ce titre, nous avons une équipe de consultants entièrement dédiée à ces sujets-là, qui est construite sur deux thématiques. Donc, nous avons des consultants fonctionnels qui accompagnent nos clients sur les notions de méthodologie de gestion de projet, et nous avons une équipe de consultants techniques qui vient traiter de toutes les problématiques techniques qui se rapportent aux outils de gestion de projet. Ce webinaire en est la parfaite illustration, étant donné que l'add-on Project Server est issu de besoins identifiés par nos consultants fonctionnels chez nos clients et qui a été mis en œuvre grâce à notre équipe de consultants techniques. TeamSquare, c'est également 20 ans d'expérience dans ces domaines de management de projet et de portefeuille de projet. Et il est intéressant de noter que nous avons un partenariat durable avec Microsoft qui assure à nos clients des déploiements et des interventions de qualité sur les technologies Microsoft. Pour vous présenter rapidement un tout petit peu plus en détail nos savoir-faire, TeamSquare intervient dans quatre domaines d'expertise, notamment au niveau du pilotage de projet. Nous accompagnons nos clients sur la mise en place de PMO, de bureaux des projets. Nous sommes amenés à faire de l'accompagnement des chefs de projet, que ce soit du coaching, du support ou de l'assistance. Nous intervenons également dans le conseil et la mise en place de la démarche projet. La démarche projet au sens large, hein, portefeuille de projet, gestion de projet, management des ressources. Nous intervenons également sur des aspects plus techniques autour des outils du management de projet. Nous connaissons l'ensemble des outils de gestion du projet de marché, ce qui nous permet de répondre précisément aux besoins de chacun de nos clients. Nous venons sur ces outils, généralement les adapter, les intégrer, les paramétrer, et puis également réaliser des développements autour de ces produits. La courbe à 45 degrés et l'add-on de Project Server en est une illustration. Enfin, TeamSquare propose des formations, alors des formations méthodologiques de management de projet, ainsi que des formations plus techniques qui se rapportent aux outils de gestion de projet. Nous proposons également dans notre centre de formation des formations qui se déroulent sous forme de Serious Game. Notre vision du conseil est particulière, à savoir que nous proposons un accompagnement adapté, équilibré aux fonctions des besoins de nos clients en s'appuyant sur une synergie entre les méthodes et les outils. Nous considérons qu'une de grandes théories méthodologiques ne sont pas suffisantes et ne sont pas efficaces si elles ne sont pas bien outillées. A contrario, la mise en œuvre d'un outil doit absolument servir la méthodologie de gestion de projet.
Sur les outils, l'outil qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui est Microsoft Project Server. Les méthodes, nous appuyons sur l'ensemble des méthodes et des référentiels reconnus dans le domaine de la gestion de projet, ainsi que sur les méthodes qui nous sont propres et que nous avons affinées au fur et à mesure de nos expériences. TeamSquare est positionné sur le territoire français sur deux agences, une à Lyon, une à Paris, et nous avons des consultants présents également en région. Nous avons également des consultants présents à l'étranger. Quelques références intéressantes, je vous laisse les regarder. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que TeamSquare intervient à la fois chez des grands comptes comme dans de plus petites structures, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé, et nous travaillons dans un grand nombre de domaines d'activité. Je vous propose d'attaquer maintenant le cœur du sujet de ce webinaire qui concerne la courbe à 45 degrés. Comme je vous le disais, je vais d'abord présenter l'intérêt de la courbe à 45 degrés. Je vous présenterai ensuite comment construire cette courbe à 45 et enfin comment l'analyser. Avant toute chose, je vous présente ici un certain nombre de termes qui peuvent être employés pour désigner la courbe à 45 degrés. Donc moi, je l'appelle courbe à 45 degrés. Durant ce webinaire, j'aurai peut-être la possibilité de l'appeler autrement. En français, nous avons des termes qui s'y rapportent comme la courbe tentant ou le diagramme date-date. En anglais, nous aurons des termes du type Milestone Trend Analysis, MTA, d'où le nom de l'add-on Project Server qui s'appelle MTA. Vous avez également des noms du type Milestone Slip Chart ou Milestone Tracker. L'ensemble de ces termes font référence à un outil de pilotage d'une grande efficacité. Pourquoi? Cet outil a eu une idée géniale qui est de présenter graphiquement et dans le temps l'évolution de l'ensemble des dates des différents jalons que je vais suivre dans mon projet. Du coup, l'outil va nous permettre, en tant que chef de projet, de voir à quelle date il est prévu de franchir les jalons dans le projet, de pouvoir connaître les dates réellement franchies pour ces jalons. Également, et c'est peut-être une des très grandes forces de cet outil, c'est que dans ce simple graphique, nous allons pouvoir conserver l'historique des dates qui sont successivement planifiées pour les jalons. Et nous allons donc pouvoir vérifier instantanément si les engagements sur ces jalons sont stables et tenus. C'est donc un outil qui a deux intérêts principaux. Le premier qui permet de faire du reporting sur les délais de mon projet et également de pouvoir détecter les dérives grâce notamment à la conservation de l'historique des dates qui auront été successivement planifiées. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment construire la courbe à 45 degrés. Et pour pouvoir la construire, il faut bien comprendre comment elle se compose. Tout d'abord, je vous propose de bien comprendre ce que signifie chacun des axes de la courbe. Vous avez en premier l'axe des abscisses. Sur cet axe, nous allons représenter ce que l'on appelle les dates de constat auxquelles on va relever les différentes dates planifiées des jalons que je vais suivre dans mon planning. Les dates planifiées de ces jalons vont être indiquées sur l'axe des ordonnées et je vais donc positionner à une certaine date de constat les dates planifiées de mes jalons. Ce qu'il est important de noter, c'est que souvent, les axes ont la même échelle et ils démarrent à la même date, ce qui permet d'avoir une courbe, une intersection à 45 degrés. Pour bien comprendre ces axes, je vous propose de comprendre comment sont construits les points de suivi sur cette courbe. Pour ce faire, à travers les différentes slides qui vont venir, j'ai pris un exemple relativement simple
d'un projet à deux jalons, J1 et J2. Prenons par exemple la construction de mon premier point de suivi à la date de constat du 15 février de cette année, donc le 15 février dernier. J'étais le 15 février dernier, j'ai regardé l'état des jalons de mon projet et le jalon 1, ce 15 février, était positionné le 9 mars. Je reporte donc sur mon abscisse le 15 février et donc je reporte sur l'ordonnée la date du 9 mars pour le jalon 1. Pour le jalon 2, toujours à la date de constat du 15 février, ce jalon 2 est planifié le 18 mars. Je reporte donc sur l'axe des ordonnées le 18 mars. Il est important de noter ici que plus les jalons sont hauts dans le graphe, plus ils sont planifiés loin dans le temps. Pour bien comprendre la suite, continuons la saisie de ces points de suivi. Admettons que nous avons passé le 15 février et que nous sommes au 29 février de cette année et je vais reprendre mes jalons pour savoir quand est-ce qu'ils sont planifiés. Ces jalons ont un petit peu évolué dans le temps et le 29 février, finalement, le jalon 1 a été replanifié au 11 mars et je reporte le 11 mars sur l'axe des ordonnées et le jalon 2 est replanifié au 20 mars. Je vais ensuite lier les points entre eux et ces lignes vont représenter l'évolution dans le temps de mes jalons. Continuons la saisie d'un dernier point de suivi à la date de constat du 10 mars, qui est aujourd'hui. Je regarde l'état actuel de mon planning aujourd'hui et aujourd'hui, en effet, le jalon 1 a finalement était passé ce jour et donc je repositionne mon jalon 1 au 10 mars tandis que mon jalon 2 a lui été replanifié au 19 mars. Cet exemple va me permettre d'introduire une notion importante qui est la diagonale. La diagonale va correspondre à l'intersection lorsque la date planifiée de mon jalon, ici dans mon exemple J1 c'est le 10 mars, est égale à celle du constat. Je suis le 10 mars, mon jalon 1 a été passé le 10 mars aujourd'hui et donc il va se retrouver sur la diagonale. La diagonale va donc accueillir les jalons au jour de leur franchissement. Si j'ai réalisé des axes avec des échelles identiques, cette diagonale va être positionnée à 45 degrés, d'où le nom de courbe à 45 degrés. Par rapport à cette diagonale, donc à la date de constat, toujours le 10 mars, ce qui est intéressant de constater ici, c'est que ce qu'il va y avoir au-dessus de la zone de la diagonale, cette zone va représenter l'espace des jalons à venir. C'est donc le futur de ma date de constat. Projetons-nous un petit peu dans le futur et admettons que nous sommes le 19 mars, je continue à suivre mes jalons et en l'occurrence mon jalon 2 qui était prévu au 19 mars est bien réalisé au 19 mars. Il va donc être accueilli sur la diagonale et positionné à ce niveau-là. Ce qui me permet également d'introduire que l'espace qui se trouve en dessous de la diagonale va représenter à contrario le passé de la date de constat. Il est important de noter ici que par convention, on ne reporte pas un jalon terminé sur la diagonale. La zone donc sous cette diagonale n'est pas utilisée. Donc ici, la zone en rouge n'est pas utilisée, aucun jalon ne se retrouvera dans cette zone. J'en veux pour preuve que mon jalon 1, le 19 mars, étant terminé le 10 mars, n'a pas été reporté à cette date. Ainsi de suite, nous allons pouvoir suivre l'évolution de nos jalons jusqu'à ce qu'ils soient tous terminés. Et en l'occurrence, pour mon exemple relativement simple d'un projet à deux jalons, je me retrouve avec des jalons qui se sont terminés et donc retrouvés sur la diagonale, avec un jalon 1 qui s'est terminé le 10 mars, ainsi que le jalon 2 qui s'est terminé le 19 mars. Et je peux voir par l'historique des dates que leur planification a fluctué dans le temps.
Maintenant que nous avons bien compris comment est construite cette courbe à 45 degrés, je vous propose de prendre quelques cas simples afin d'analyser la courbe et comprendre ce que traduit cette courbe. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions à travers l'interface. Nous y reviendrons en fin de séance pour y répondre. Prenons quelques cas simples. Le cas numéro 1. J'ai un jalon qui a été constaté à deux dates de constat et entre ces deux dates de constat, sa date de planifié a augmenté. Le jalon 1, donc, prend du retard entre mes deux dates de constat, T0 et T1. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est lorsque la ligne monte, cela traduit que le jalon prend du retard. Prenons un deuxième exemple, toujours avec un cas simple d'un seul jalon qui a été constaté à deux dates de constat, T0 et T1. Le jalon 1, ici, est stable entre les deux dates de constat. Sa date planifiée n'a pas évolué. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est lorsque la ligne est horizontale, cela traduit que le jalon est stable dans le temps. Prenons le dernier cas de figure simple, toujours mon jalon 1, qui a été constaté à deux dates de constat. Entre ces deux dates de constat, la date planifiée a diminué. Ici, le jalon 1, donc, prend de l'avance entre les deux dates de constat, T0 et T1. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est lorsque la ligne descend, cela traduit que le jalon prend de l'avance. Complexifions un petit peu les cas pour regarder comment traduire ce qu'il se passe sur ce diagramme. J'ai ici un projet à deux jalons, J1 et J2. Ce que je peux dire sur ces jalons est que le jalon 1, comme vous pouvez le voir, est sur la diagonale et donc qu'il s'est terminé à la date ici D1-2. Je peux également interpréter que ce jalon a pris du retard par rapport à sa prévision initiale qui était en D1-0. Ce que je peux dire sur le jalon 2, étant donné que sa ligne est horizontale, c'est que ce jalon est stable. En revanche, je peux être amené à me poser des questions. Je sais dans mon projet que le jalon 2 est postérieur au jalon 1 qui, lui, a pris du retard. Donc s'il est bien lié au jalon 1, on peut se demander s'il a réellement été replanifié, étant donné qu'il n'a pas pris de retard et que le jalon 1 en a pris. Et s'il a réellement été replanifié, il y a certainement des actions qui ont été mises en œuvre pour absorber le retard du jalon 1. On va pouvoir demander au chef de projet d'expliquer ses actions correctives. Peut-être que le chef de projet a joué sur le périmètre du projet ou sur les budgets afin de tenir les engagements de délai sur le jalon 2. Continuons nos cas exemples avec ce cas numéro 5. Pareil, dans ce cas numéro 5, j'ai deux jalons, J1 et J2, qui sont fluctuants. On peut se demander, dans un premier temps, à première vue, si le projet est réellement piloté. En regardant d'un peu plus près ce diagramme, on s'aperçoit que finalement les dates de passage du jalon 1 et les dernières dates constatées du jalon 2 sont peu écartées de l'échéance initiale, voire même en avance pour le jalon 2. C'est très certainement qu'il y a des actions correctives qui sont régulièrement menées afin d'absorber les retards constatés sur chacun de ces jalons. On va pouvoir demander à la lecture de ce diagramme au chef de projet d'expliquer les actions correctives qui ont été menées. Enfin, je vous propose ce dernier cas exemple qui est assez parlant. Ici, les jalons 1 et 2, à la lecture de ce diagramme, sont replanifiés au dernier moment. Pourquoi? Parce que lorsque je m'approche de la diagonale qui représente la date à laquelle le jalon doit être franchi et à laquelle je vais constater le franchissement de ce jalon, finalement, je vais reporter toujours un petit peu plus loin le jalon plus haut dans le graphe.
Cela signifie que lorsque j'arrive sur l'échéance de mon jalon, finalement, je ne le passe pas et je le repousse toujours plus loin. On peut se poser la question ici, est-ce que les échéances du projet sont suffisamment anticipées et on va pouvoir demander éventuellement que des actions soient mises en œuvre afin que le projet soit peut-être mieux planifié afin de mieux anticiper ces dérapages dans les délais. Donc à travers ces quelques cas exemples, j'espère vous avoir montré qu'avec cet outil, il est facile et rapide de répondre aux questions que l'on se pose régulièrement lorsqu'on vient analyser l'avancement d'un projet. Par exemple, hein, on entend souvent ces questions, par exemple en comité de pilotage ou comité de suivi, est-ce que les dates annoncées sont-elles confirmées ou quels sont les changements en termes d'engagement sur les délais? Et à la lecture de ce graphe, les parties prenantes intéressés par ces questions vont pouvoir rapidement avoir leur réponse simplement en lisant l'évolution des jalons dans le temps. C'est également un outil qui va amener le chef de projet à se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que pour dessiner ce graphe, il va falloir d'abord identifier les jalons clés du projet que l'on va vouloir suivre et peut-être communiquer. Puis, on va devoir construire en tant que chef de projet un planning et le piloter régulièrement pour pouvoir mettre à jour ce planning et enfin mesurer les engagements en termes de délai pour pouvoir construire ce graphe. C'est donc un outil à la fois puissant et efficace pour faire ce que je vous disais en début de ce webinaire, du reporting sur les délais et également détecter les dérives sur un projet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder comment a été intégrée cette courbe à 45 degrés dans Microsoft Project Server grâce à notre add-on MTA qui a été développé par TeamSquare. En effet, la construction de la courbe à 45 degrés se fait parfois dans des outils dissociés du planning projet. Pourtant, ce sont les mêmes informations que l'on reporte régulièrement sur ce graphe. Et cette mécanique peut souvent paraître assez fastidieuse, voire source de saisies multiples. Et on le sait, quand il y a des saisies multiples, il y a des risques d'erreur et une perte de temps. C'est pourquoi nous avons développé un add-on qui est entièrement intégré au planning et par cette synchronisation du planning, on va pouvoir générer et construire sa propre courbe à 45 degrés directement dans le client riche de Project Server. Je vais vous faire une petite démo de cet add-on dans le client riche. Donc je vais basculer. Dans Project. Donc, pour ceux qui sont familiers avec l'interface du client riche de Project Server, voilà, je suis dans le client riche de Project Server dans lequel je vais pouvoir planifier et piloter mon planning. Donc, j'ai un diagramme de Gantt, la liste des tâches et des jalons. Donc, ici, pour mon exemple, j'ai un projet relativement simple d'un enchaînement de tâches et de jalons. J'identifie ici les jalons en bleu. Et pour venir construire et générer la courbe à 45, une fois que j'aurai installé l'add-on, je vais pouvoir aller dans mon ruban, dans un nouvel onglet qui s'appelle Suivi jalon. Dans cet onglet, je vais pouvoir activer mon add-on. L'activation de l'add-on, comme vous le voyez, va générer un volet entièrement intégré au client riche de Project Server. Et c'est dans ce volet que je vais pouvoir construire ma courbe à 45 degrés. Ce volet, je peux venir le déplacer à l'endroit qui m'intéresse dans mon espace de travail. Je le conserve à droite de mon écran. À l'intérieur de ce volet, vous allez découvrir deux onglets. Un premier onglet qui s'appelle Diagramme, dans lequel vous reconnaissez la courbe à 45 degrés. Et un onglet grille qui va vous permettre d'accéder à l'ensemble des dates qui ont été constatées pour les jalons qui sont suivis dans mon projet. Donc en ligne, j'ai les dates de constat et en colonne, j'ai mes jalons qui sont suivis.
Pour les besoins de la démonstration, j'ai déjà réalisé un certain nombre de constats. Comme vous pouvez le voir, les lignes d'évolution de mes jalons ont déjà été préconstruites sur des jalons que j'ai identifiés dans mon projet. Vous pouvez le voir à travers le client riche ici et l'interface tabulaire. J'ai une colonne qui s'appelle jalons suivis, dans laquelle j'ai identifié les jalons que je souhaitais suivre. En l'occurrence, ici, je suis mes jalons 1 à 7 et je ne suis pas le jalon 8 de mon projet. Si je souhaitais suivre le jalon 8, il me suffirait de dire que je souhaite suivre ce jalon. Lorsque j'ai réalisé mes points de saisie, je vais pouvoir aller regarder en survolant les points quelle est la date à laquelle était planifié mon jalon au constat. En l'occurrence, pour mon jalon 4, ici, à la date de constat, donc mon dernier constat qui a été fait le 26 février, la date planifiée de mon jalon 4 était le 8 mars. Mon planning aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, a été piloté jusqu'au 3 mars, c'est-à-dire que je connais l'avancement de mon planning jusqu'au 3 mars. Je souhaite réaliser une nouvelle capture qui traduit l'état de mon planning et donc qui enregistre dans la courbe à 45 degrés mon planning au 3 mars. Pour ce faire, rien de plus simple, je vais dans le ruban et je clique sur le bouton Capturer. Par défaut, la capture qui va m'être proposée me propose de faire la capture à la date du jour. Cependant, je peux venir sélectionner une date antérieure afin de venir faire un constat qui reflète l'avancement de mon planning. Et je vous le disais, un avancement de mon planning qui est au 3 mars. Je peux venir sélectionner le 3 mars. Je pourrais remonter dans le temps jusqu'à la dernière date de constat qui était le 26 février, c'est-à-dire que je peux réaliser des constats à partir du 26 février, soit le 27 février. Et évidemment, je ne peux pas réaliser de constat dans le futur et donc je ne peux pas réaliser de constat après le 10 mars. Aujourd'hui, je réalise un constat au 3 mars. Il me suffit de cliquer sur OK et le nouveau point de suivi est enregistré dans mon diagramme. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble de mes jalons ont été enregistrés au 3 mars et un nouveau point est affiché. En l'occurrence, le jalon 4 à la date de constat réalisé le 3 mars est toujours planifié au 8 mars. Je me rends compte ici que mon jalon 7 dépasse de mon diagramme. Je peux retravailler sur les min et max des axes de ce diagramme en venant les sélectionner par ces bornes. Je peux également utiliser le bouton rapide de dézoom de manière à optimiser l'affichage afin de voir l'ensemble des points de suivi. Admettons que depuis le 3 mars, mon planning a évolué un petit peu jusqu'à aujourd'hui et je vais ici matérialiser un avancement jusqu'à aujourd'hui. En l'occurrence, la tâche D, depuis la semaine dernière, ne prend plus 4 jours, mais prend 6 jours. Donc, elle prend un petit peu de retard et elle est entièrement réalisée. Ce qui m'amène à une tâche qui a été réalisée le 10 mars. Et donc, le jalon 4 a été passé ce jour, le 10 mars. Je matérialise cet avancement dans mon planning et je vais pouvoir revenir prendre une capture à la date du jour. L'ajout de cette nouvelle capture est inscrite dans mon diagramme et je matérialise dans ce diagramme la prise de retard de l'ensemble de mes jalons. De 2 jours, mes jalons montent dans le temps et par le système de lien, le retard qui a été pris sur le jalon 4 a été propagé sur l'ensemble des autres jalons. Et en tant que chef de projet, je peux voir les impacts sur l'ensemble de mon projet. Dans la partie grille, l'ensemble de mes nouvelles captures ont été enregistrées. Je peux, si je le souhaite, supprimer une capture qui ne m'intéresse pas. Par exemple, la dernière capture que je viens de réaliser, je souhaite la supprimer. Il me suffit de la sélectionner et supprimer les points de suivi. Ma capture est donc supprimée. Quelques options intéressantes dans cet add-on. Vous allez pouvoir choisir le type d'ancrage du volet à l'ouverture de Project. Mon volet peut être à droite
en bas, à gauche, en haut ou bien flottant dans mon espace de travail. Vous allez également pouvoir choisir le nombre de caractères que vous souhaitez afficher dans les légendes, que ce soit dans le diagramme ou dans la grille. Vous allez également pouvoir, si vous le souhaitez, afficher en grisé les week-ends dans le diagramme et afficher ou non la zone rouge qui représente la zone en dessous de la diagonale. Une fois que j'ai réalisé l'ensemble des captures que je souhaitais faire dans ce diagramme, je vais pouvoir le copier pour pouvoir communiquer. Si je copie le diagramme, je vais pouvoir par exemple le coller dans un PowerPoint. Je reprends mon PowerPoint que j'ai utilisé pour réaliser ce webinaire et par exemple ici, je vais pouvoir coller la copie du diagramme que je viens de réaliser. C'est très pratique lorsqu'on a un comité de pilotage et qu'on souhaite construire des slides et communiquer sur l'avancement de son planning ou bien rédiger un compte-rendu au format Word. Donc en résumé, les avantages de cet add-on, c'est en priorité des informations qui sont fiables et précises. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas ressaisies et elles proviennent directement des informations que j'ai dans mon planning. Cela va me permettre également d'améliorer le pilotage que je réalise dans le client riche. C'est une aide à l'analyse du planning et on va pouvoir, comme vous le voyez tout à l'heure dans la démo, détecter les dérives dans mon projet. Vous avez par la construction de la courbe à 45, une historisation qui est entièrement intégrée et qui va permettre d'enrichir les possibilités d'historisation que l'on a dans le client riche et donc pouvoir voir l'évolution sur autant de points que nécessaire des délais dans mon projet. Vous allez enfin pouvoir, grâce à cet add-on, améliorer la communication, notamment parce que cet outil est partagé avec tous les utilisateurs qui vont consulter le planning dans le client riche, si toutefois ils ont les droits associés. Et vous allez, comme on a pu le voir, copier-coller les informations comme le diagramme ou la grille Excel pour pouvoir les exporter dans PowerPoint, Word, Excel lors de comités de suivi ou de pilotage. J'espère, à travers ce webinaire, vous avoir montré les forces de l'outil et ce que nous pouvons faire à travers l'add-on Project Server qui s'appelle MTA afin d'améliorer le suivi des délais dans son projet. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer la petite session de questions-réponses. Pour ce faire, je vais regarder les questions qui m'ont été posées. Nous avons encore quelques minutes, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je tenterai d'y répondre. Donc j'ai une première question de quelqu'un qui a l'œil aiguisé et qui me demande à quoi sert le bouton synchronisé. Donc, en effet, dans l'add-on, vous avez un bouton qui s'appelle synchroniser. Alors, je vais reprendre l'add-on. Ici, vous avez un bouton synchroniser, c'est-à-dire que vous allez pouvoir supprimer dans votre planning les jalons que vous ne suivez plus ou que vous ne souhaitez plus afficher dans votre planning. Afin qu'ils soient supprimés dans le diagramme, vous allez pouvoir synchroniser cette suppression par le bouton synchroniser et la ligne de suivi disparaîtra. On me pose également une autre question sur l'add-on. Peut-on arrêter de suivre un jalon? Effectivement, lorsque j'ai réalisé le suivi de mon jalon, donc mon jalon est identifié en tant que jalon suivi, je vais pouvoir passer à tout moment ce jalon suivi à non. C'est-à-dire qu'à la prochaine capture, ce jalon ne sera donc pas enregistré. La ligne s'arrêtera au moment où on a arrêté le suivi. Je reprends les questions. J'ai une question concernant le copier-coller dans Excel. En effet, je vous ai montré le copier-coller du diagramme. Ce qu'il est intéressant de voir ici, c'est que dans l'onglet Grille, vous avez également la possibilité de copier la grille dans le presse-papier.
et vous allez pouvoir copier-coller les informations directement dans Excel si vous souhaitez les retravailler différemment en utilisant Excel par exemple. Une dernière question peut-être. J'ai une question concernant l'utilisation de l'add-on dans ProjectSol. Comme je vous le disais, cet add-on est utilisé dans Project Server. Donc en fait, il va fonctionner dans le client riche Project. En revanche, il faudra être dans un environnement Project Server que vous avez peut-être dans votre entreprise afin de pouvoir installer l'add-on, étant donné qu'il ne marche que dans cet environnement. Enfin, je vois une dernière question. Attendez, je vois une question qui me vient par rapport au baseline. Y a-t-il un lien avec les baselines? Il n'y a pas de lien particulier avec les baselines. Les baselines sont indépendantes des dates de constat que je vais réaliser dans cet add-on. En revanche, rien ne m'empêche à l'utilisation de venir au moment de l'enregistrement d'une baseline, rajouter à la suite un point de capture dans ma courbe à 45. Je vous propose de répondre à une dernière question qui va me permettre d'enchaîner sur la dernière slide que je souhaitais vous présenter. On me demande quel est le coût de cet add-on. Je vous propose pour ce faire de contacter nos contacts commerciaux que je vous ai rappelés ici, aussi bien Jean Hébrin, Maxime Clerc que Franck Romain. Je vous laisse prendre leurs coordonnées et nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant les détails techniques et tarifaires de cet add-on. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci, au revoir.